Bonjour les copains, 73, j'espère que tout le monde va bien. J'ai reçu mon petit kit avant de partir. Donc on est sur le Portugal, hein. Voilà. Le ciel est nuageux. Ça c'est les châtaigniers. Il y a un petit peu de soleil, mais c'est entre les nuages. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Vous pouvez voir ici que voilà. Oh, bah même la grille la gêne. Petite grille du balcon là qui gêne et on voit le reflet de la grille du balcon sur les panneaux solaires. Voilà ce que j'ai reçu. Donc ça se plie pour vous montrer. Petite démo de ce que j'avais commandé avant de partir. Ça se plie. Ça ici, là, je vais essayer de vous montrer au mieux. Pas évident. Ici, c'est une cale là que vous réglez pour l'inclinaison des panneaux s'il y a besoin. Bon, là, je les ai juste mis contre sur le balcon, contre le mur de la maison. On voit bien l'ombre de la grille du balcon, là. Bien l'ombre en fait, donc ils sont pas vraiment au top de leur forme, mais comme c'est plus vieux dehors, je vous montre un peu ce que c'est. Les PV 200 de chez Blue Yeti, donc c'est pliable, ça se plie, ça se range, les câbles vont derrière et ça fait une mallette, voilà, tout simplement pour les transporter. On a à peu près 2 mètres carrés. Alors il faut savoir que c'est 100 watts à peu près le mètre carré quand on a du panneau solaire. Donc quand c'est on va dire qu'il y a un mètre carré là à peu près là et un deuxième mètre carré, donc en plein soleil ils sont censés donner 200 watts PV 200. Bon, faut toujours enlever 20% de puissance, c'est en plein soleil, etc. Et 200 watts c'est vraiment quand ça va. Voilà la station que j'ai reçue. Les câbles arrivent ici, hein, c'est branché. La station j'ai reçu moi là, celle que je vous avais dit que j'avais commandé là, toujours la Blue Yeti là, et la référence je sais plus, c'est EB70, un truc comme ça. Voilà, donc qui peut sortir en pointe jusqu'à 1000 watts sur double prise, et puis il y a tout ce qu'il faut. Regardez les caractéristiques techniques, EB70 de chez Blue Yeti, ça fait une dizaine de kilos. Voilà. Vous avez ici une charge pour les téléphones qui font la charge à induction. Il y a des ports USB assez costauds, puisqu'on peut sortir jusqu'à 100 watts sur les USB-C, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les USB normales. Hein, là, on a les normaux, et il y a même une prise. Voilà. Donc, on active le courant continue ou le courant alternatif, lampe SOS, enfin il y a des tas de trucs. C'est ventilé, hein. C'est très 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 bien ventilé, hein. En plus il y a des ventilateurs à l'intérieur, ça pèse une dizaine de kilos à peu près, et avec ça bah, on va regarder combien on chope là. Donc il est en recharge, hein, puisque dès qu'on le branche ici, secteur sur la voiture, sur le secteur, sur un groupe électrogène ou sur des panneaux solaires. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est quand même très ombragé, et ça charge du 22 watts, tout simplement, c'est en train de charger. Voilà, hop, le soleil, un petit peu plus de soleil, les watts devraient grimper. Voilà. Le soleil il est vraiment limite, hein. C'est très 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 nuageux, il y a des arbres devant, ah, c'est pas ça, je vous montre le ciel, il est vraiment... Voilà, mais ça fonctionne. Alors il y a un tout petit peu de soleil. Voilà. Alors il faut savoir que 20 watts là, je peux donc utiliser charger. Je peux charger tout en l'utilisant. Hein. On peut faire les deux en même temps. C'est donné pour si on a les tiges techniques. C'est-à-dire que imaginez là 16, 20 watts. Si par exemple il faisait sombre ou j'ai besoin d'alimenter quelque chose, là je recharge sans problème un ordinateur portable à peu près, je sais pas, je suis pas sûr, mais plutôt des deux téléphones là. Si je m'en charge deux téléphones, hein, ça fonctionne, hein, sans problème. Il y a un petit peu de batterie, hein, il y a au moins 20% de batterie, c'est en train de cumuler. On regardera ça, ce que j'ai réussi à récupérer comme courant. Voilà pour la petite démo, j'espère que j'ai pas été assez long. Bonne petite valise, avec ça on peut aller faire du sauta et brancher ce qu'on veut directement, une Galaxy Saturn direct,
une alimentation, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Et puis évidemment, si, je ne sais pas trop, je crois que c'est 10 ampères ici. Je crois que c'est 10 ampères direct. Enfin bon, avec les sorties en alternatif, on peut très bien alimenter une alim classique, standard. Voilà, on est autonome. Voilà les copains, comme j'avais promis à certains d'entre vous, donc la démo, j'ai fait une première vidéo. Je vous montre également toutes les connectiques qui sont livrées avec le matériel. Donc ça arrive très bien emballé, une petite boîte. Et vous avez donc, parce que pour ceux qui ne veulent pas acheter des panneaux solaires, comment, le générateur sur batterie, puisque ça s'appelle comme ça, un générateur électrique, lui, il peut être chargé. Donc vous avez un chargeur de très très bonne qualité qui est fourni avec. Voilà, ventilé, hein. Une vraie alim, ça. Je ne sais pas s'il y a des caractéristiques techniques. Vous verrez en faisant peut-être après une pause là sur l'image. Voilà, il y a un chargeur. Donc qui lui sort 25 volts. 8 ampères. Non, c'est l'output, c'est l'entrée, pardon. Donc il consomme 25 volts. Et donc voilà, c'est quoi les caractéristiques? Je vous laisse regarder. Très bonne facture, très bonne qualité. C'est vraiment costaud, lourd. On sent que c'est du matos. Il y a les fiches, donc la même fiche de recharge que celle des panneaux solaires. C'est pareil. Tout est normalisé. Voilà. Ils disent de bien enfoncer la fiche, sinon il peut y avoir des problèmes. C'est tout ce qu'ils disent. Hein? Alors, cette alim, bah, évidemment, les cordons sont épais, les fiches sont bonnes. Enfin, on sent qu'ils se sont appliqués. Hein? Voilà. Donc, comme ça. Pour ceux qui ne veulent pas les panneaux solaires, comme je disais, bah, vous pouvez le brancher et le recharger directement sur le secteur. Vous partez avec la petite mallette, la batterie qu'on a vue tout à l'heure, et vous êtes autonome. Voilà. Ok. C'est fourni également avec de quoi recharger directement sur une prise allume-cigare. Camping-car, batterie, voiture, enfin voilà, allume-cigare de voiture. Et on retrouve exactement la même fiche que celle du secteur. Et celle des panneaux solaires que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc tout est fourni. Moralité, bah, vous pouvez charger ça, vous pouvez le mettre en charge sur certains groupes électrogènes qui ont des fiches comme ça. Pour garder une capacité, une fois que vous arrêtez le groupe, pour garder quand même de l'autonomie sur batterie. Voilà. Vous pouvez, à pas confondre, hein, ce n'est pas une sortie, hein, puisque tout à l'heure je vous ai montré une fiche, une prise allume-cigare sur le générateur. Ce n'est pas du tout une sortie. Ça se branche sur le véhicule et c'est pour recharger la batterie, hein, à pas confondre. Voilà, le secteur, les panneaux solaires, on peut le recharger de différentes manières. Tout ça, c'est d'origine et c'est fourni. Ce n'est pas des options. Avec le EB70, avec les panneaux. Ah oui, il y a aussi avec le EB70, il y a aussi un câble qui permet de connecter des panneaux solaires. Voilà, il est dehors. Je ne vous l'ai pas montré sur la première vidéo, mais c'est fourni aussi avec. Donc, si vous avez d'autres panneaux, bah, c'est les fiches standards panneaux. Je vous ferai une autre petite vidéo s'il faut. Là, en tout cas, tout est d'origine dans la boîte et c'est très bon. Voilà. Alors, savoir que j'ai déjà chargé. J'ai déjà chargé au secteur la batterie. Vous pouvez regarder la télé pendant à peu près 6-7 heures. Un téléviseur LCD qui consomme 55 watts à peu près. Dans les 55 watts, si j'ai allumé une télé, j'ai laissé 6 heures la télé allumée dessus, etc., etc. Enfin, les caractéristiques techniques, je vous laisse regarder sur le net à quoi ça correspond à l'EB70. Voilà pour les accessoires. Ouais. Me revoilà à l'extérieur. Alors pour le petit complément, donc ce câble-là, voilà, ce câble-là, il est fourni également
d'origine où vous retrouvez les connecteurs standards pour les panneaux solaires. Ça, c'est du classique, ça porte un nom, je me rappelle plus comment c'est. C'est peut-être marqué dessus d'ailleurs. Je sais plus. C'est peut-être marqué dessus quelque part. Non, c'est pas marqué. Donc ça part dans les panneaux solaires. Et ce câble-là, il est fourni aussi avec le EB70. Vous pouvez mettre les panneaux que vous voulez. Moi, j'ai pris le kit qui va avec. Mais si vous avez déjà des panneaux, du moment que vous respectez entre 12 volts et 28 volts en entrée, faut pas que les panneaux solaires sortent plus que ça, 12 et 28 volts, et que vous respectez 200 watts en entrée, ça c'est le max. Donc 200 watts, c'est 2 mètres carrés. C'est ça. 1 mètre carré de panneaux solaires, 100 watts, 2 mètres carrés, 200 watts. Tant que vous respectez ça, tout va bien. Vous pouvez charger avec les panneaux que vous voulez. Voilà pour le petit complément. Ça aussi, c'est fourni d'origine. Et comme je disais, on peut acheter que la grosse, le générateur. Ils appellent ça un générateur électrique. Voilà. Vous pouvez acheter que ça et pas de panneaux. Et à ce moment-là, vous chargez sur le secteur ou sur l'allume-cigare. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des panneaux solaires. Enfin, c'est tellement chouette de les avoir. Alors, à combien il tourne là? Bah ouais, il tourne à 1. Aux alentours toujours des 20 watts. Donc ça récupère. Ça récupère, ça récupère. On regardera en fin de journée si j'ai récupéré 5 heures de télé le soir ou 5 heures d'ordinateur, par exemple, à 50 watts. 50 watts, 55 watts, c'est ce que consomme un ordi portable branché là-dessus. Voilà pour recharger. Bon bah voilà, c'est déjà pas mal. Suite des tests. Hein. Maintenant c'est la fin. On va ranger ça parce que bah, il commence à faire très sombre, très nuit. Hein, je vous montre. En même temps, vous voyez le dégagement là. Donc là, c'est fini. Hein, j'ai plus de soleil. Plus rien. Je vous montre le dégagement que j'ai avec mes antennes en même temps. Bon. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est plié. Hein. C'est pas très très très, très grand. Hein. Hop. Ça se présente en mallette comme ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir la taille des trucs. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à regarder. Combien j'ai récupéré? Alors, j'ai récupéré, messieurs. Hop, regarde, la lumière s'est allumée. Alors, attends, là, c'est le mode SOS. Là. Hop. Alors, j'ai récupéré 40% de charge. Un jour pluvieux, c'est pas mal, hein, 40%. Et on va regarder maintenant. Donc là, c'est les watts qui rentrent, l'input et le output. Hein, c'est marqué dessus. Rien de sorcier. Il fait du 50, du sinus en 50 Hz ou 60 Hz. À moi de choisir. Voilà, voilà, il est en mode écho. On va regarder ce que ça peut donner et qu'est-ce qu'on peut alimenter avec tout ça. Avec 40% de charge. A tout de suite. Bon, bah voilà, messieurs, un exemple. Là, c'est le chargeur de l'iPhone, celui avec lequel là je vous filme en même temps. Donc, l'iPhone est branché. Il est en charge. En même temps, je filme. Voilà ce que je consomme. Tout à l'heure, quand je récupérais du vin. En output du 20, du 15, du 20, du 30 watts, bah là, ouais, ce que ça consomme, hop, je rallume. Tac, ce que ça consomme sur l'alternatif, ce que ça consomme une charge de téléphone, par exemple. Donc là, il y en a pour des heures. Hein. Alors, voilà, alors je vais l'enlever d'ici. On va couper. On peut laisser les deux en même temps, hein, mais bon, on va couper. Là je l'ai coupé, donc là ça consomme plus. Je vais le débrancher de là, sachant que je peux utiliser directement en allumant le courant continu. Hein, on peut allumer les deux en même temps d'ailleurs, peu importe. Et là je peux charger directement l'un ou l'autre, je ne sais pas s'il y a de la différence. L'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Voilà, tac. Ici, mon téléphone repart en charge. Et là, sur le continu, tiens, il est moins gourmand sur le continu. Que sur le. Parce que je pense que sur l'alternatif, bah, faut déjà alimenter le chargeur. Voilà. Il faut alimenter le chargeur. J'ai éteint celui-ci. Tac. On a éteint l'alternatif. Sur le continu, il est moins gourmand. Donc, préférence à recharger ici. Voilà pour un premier test. On enlève. Tac, on retombe à zéro. L'autre port, je suppose qu'il me fait la même chose. Ben voilà.
serait fait. Donc imaginez combien de téléphones on peut charger, batterie, etc., etc. Alors je vais commencer à le charger, puis je vous fais d'autres. Bon, les copains, ça continue. Hein. Je vous ai préparé là plein de trucs là à mettre en charge là. Plein de trucs là pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc là on a toujours l'iPhone qui est en charge sur le courant continu. On a autre continu, voilà, avec toutes les prises possibles et inimaginables. Je vous laisse, je fais des bons zooms là. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Allez, bah tiens, un classique, ça va faire plaisir à Mika, il adore celui-là. Alors, tiens, un petit MD380. Non, on va le brancher d'abord. Voilà, hop. Bon, on va le brancher ici, là. On va le mettre sur celui-là. Hop, je fais tout avec une main, c'est pas évident. Voilà, ok. Donc là, je vais allumer le courant alternatif. Voilà, donc les deux sont allumés, alternatif et continu. On voit que là, il ne se passe pas grand-chose parce que le chargeur ne tire pas. Voilà. Il tire que dalle, hein. C'est juste la LED du truc. On voit bien que c'est allumé. Hein. C'est bien le bon cordon, le bon fil. Hein. Je vous montre, hein. Il n'y a pas d'arnaque. Voilà. J'espère que vous faites confiance. Vous ne devriez pas. Donc, on va le mettre, tout le monde le connaît. Et on va le mettre en charge. Tac, il passe en charge. Et on va voir ce qui se passe ici. Écoute, ni plus ni moins, hein. Ça continue, hein. Il n'y a pas grand-chose. Alors, peut-être que celui-là, voilà, bah, ça tire pas grand-chose. Pourtant, il est bien en charge. Hein. Bah, ça charge, ça tire que dalle. Donc là, je pense que le mode éco, il doit pas, il est bien en charge. Bizarre, il devrait me donner quand même une sortie. Bah, écoute, on va l'éteindre. Tac. Là, je l'ai éteint. Je le rallume. Il passe bien en charge. Conso. Ça charge. Bah, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose en consommation. Ouais, faut dire qu'il est chargé. Ah non, pardon. Il faut qu'on tacle quelque part sur... Ah bah oui, si la prise derrière, elle n'est pas bien emmanchée, effectivement, c'est moi qui ai le con, j'ai tiré sur la prise, c'était pas bien emmanché. Bah ça charge, hein. Bah ça me consomme vraiment que dalle. Sur l'alternatif, c'est insignifiant, c'est vraiment insignifiant, c'est que dalle. Alors, on va faire autre chose, tiens, on va y brancher, ça c'est un modem 4G là, qui est allumé, là. C'est avec ça que je fais les échanges, ouh, tac, on voit bien, tac, le fil. Allez, une autre batterie, tac, le modem 4G. Voilà, allez, tiens, j'ai rien, puisqu'il est coupé là, le continu. L'alternatif, on voit que des fois là, ça me fait des pointes là, ça m'a fait une petite pointe à 5, ça a coupé, 5, ça a coupé, c'est-à-dire c'est tellement insignifiant pour l'alternatif. Que en fait, et on voit bien, hein, ça charge, hein, la batterie clignote là. Du modem 4G là, voilà. C'est tellement insignifiant qu'en fait, c'est pour lui qui sort, qui est capable de sortir 1000 watts là. Pour lui, c'est. Alors ça vide, hein, ça doit vider, mais ça devrait me donner quelque chose d'un peu plus. D'un peu plus. Alors, est-ce que par exemple, tac, si j'allume ici, est-ce que là. Il me donne une valeur. Non, c'est pareil. C'est un signe. Oh, si, regardez. De temps en temps, hein, il est passé à 1 watt, il a coupé, il fait des pointes. Voilà, et on voit bien que ça charge. Parce que si je débranche, tac, voilà. Donc, vraiment pas grand-chose. Alors, on va mettre en charge le modem 4G pour voir la 4G. Voilà, tac, on voit bien, la 4G est à fond. On a le MD380 qui est toujours en charge. Alors on va faire peut-être faire ouais, on va peut-être faire ça. Hop, je vais mettre quelque chose ici. Ah, c'est comme ça, on va enlever. Alors on va passer sur autre chose. Tac. Et je coupe et j'en fais une autre. On va mettre en charge le Camoro, le fameux Camoro. Allez hop, je coupe. Je allez voilà les copains. Alors
J'ai ici ce câble-là, je peux pas vous montrer, c'est l'iPhone avec lequel je filme, qui est en charge, et je tire de la vidéo dessus. J'ai le modem 4G qui charge, on voit bien la batterie qui clignote, qui charge. J'ai le Camoro. Le Camoro, il est là, il est sur le truc marqué 0 là. Lui, il est dessus, ça tire. J'ai le MD380 en charge. Voilà, donc j'ai occupé deux ports USB classiques. J'ai pas occupé comment on appelle ça, les USB 3 là, qui sont plus puissants. J'ai pas occupé encore celui-là, ni celui-là là, parce que ça, c'est des chargeurs classiques qu'on peut mettre. Ni le cigarette, je sais pas quoi là. Voilà. J'occupe deux, et voilà, regardez combien ça me décharge, combien ça tire. Donc ce que je récupérais avec les panneaux tout à l'heure, en plein soleil, je rallume, tiens, je vais allumer la lampe en même temps. Hop, allez, si j'allume la lampe, voilà, puisqu'en plus il a l'éclairage incorporé. Alors je vais la mettre en plus fort, parce que ça tire un peu plus, voilà, ça tire un peu plus. Donc ça marche très bien, hein, c'est sensible. Mais pas trop non plus, quand c'est des petites charges, il n'y a pas grand chose. Hein, hop, en mode SOS. Bon là, ça consomme pas. Je suis désolé, ça vous éblouit. Voilà. Tac. En puissance écono. En puissance plus forte. Un watt de plus. Bon. Tout est en charge. Hein. Je vais couper cette foutue lumière, on verra mieux. C'est en charge, c'est en charge, c'est en charge. C'est un mode éco, ça suffit bien. Allez, on va abuser. On va passer sur des trucs un peu plus violents. Hein. Passer sur des trucs un peu plus forts. Oui, 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 un peu plus fort, un peu plus fort. Bon, alors on continue, évidemment. Là, ça charge, là, ça charge. Le téléphone est en charge. Bon, les consoles sont ridicules. Alors, on va brancher. Tiens, j'ai trouvé un truc là. J'ai trouvé une cigarette électronique. Alors, hop, pareil. Donc, je prends un chargeur de iPhone et on y va. Alors, tac, toujours en mode éco. Tac, on est en charge. C'est passé en charge. Ok, donc c'est passé en charge. Bah là on est à 8 watts, voilà, consommation. Donc je récapitule, ça c'est alimenté, bon apparemment c'est chargé, donc ça ne me demandait pas beaucoup parce que c'est chargé. Ici ça c'est aussi, là c'est en charge. Alors est-ce que là j'ai téléphone en charge et lui aussi, voilà. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 4 appareils. Apparemment c'est celle-ci qui consomme le plus. Si je débranche les autres, je vais débrancher l'iPhone, on va débrancher le modem et on va débrancher ici celui-là. On rallume, l'écran se met en économie, hein, c'est normal. Voilà. Imaginez le temps que je peux tenir. Passer aux choses sérieuses, on va mettre des choses un peu plus lourdes sur le output alternatif. Bon alors comme promis on y va crescendo. Alors ils mettent l'ordi là. D'accord, ils mettent l'ordi portable. Hop. Bon c'est désolé, hein, c'est le bordel dans les fils, mais bon. Tac. Et puis là j'ai une autre surprise pour vous. Donc, ici. Tac. J'ai donc l'ordi. Voilà, j'ai l'ordi. Que je viens de brancher. L'ordi qui est en charge, tac, si je le débranche, on tombe à zéro. Voilà. On va brancher. Tac. Donc tout à l'heure, avec un petit peu plus de soleil, s'il y avait un tout petit peu plus de soleil, bah, j'aurais pu pratiquement en plein soleil alimenter. Choper autant de consommation que peut faire un ordi portable. Ça vous donne un ordre d'idée. Et un autre compte, bah, j'ai zéro puisque rien n'est en charge. Voilà. Maintenant j'ai une autre surprise. On va donc brancher celui-là.
Et là, je vous ai trouvé un truc, là. C'est un radiateur. C'est un soufflant. Un radiateur, c'est les bonnes vieilles résistances, là. Et ça, ça doit taper dans les... alors, je vais peut-être pas mettre la grosse puissance, mais ça doit taper dans les... Hop. Est-ce qu'on peut le voir? C'est un vieux truc. Tac. Ah bah c'est con, hein, Manine Portugal, donc on est vraiment au Portugal. Voilà, lui en pointe, il tape 2030 watts. On va peut-être pas, le 2030, je pense qu'il va me le faire disjoncter. Mais on va essayer la position intermédiaire, puisqu'il y a deux positions, voire trois. Il y a ventile, il fait ventile. Ensuite, il fait mi-charge, et puis là, il doit faire 2000 watts, je pense. On va essayer. Alors, on va déjà le mettre en... Alors, pas d'arnaque, hein. C'est bien lui qui est branché... sur la station, rien d'autre. Hein. Messieurs, pas d'arnaque. Hein. Parce que lui, je le connais, les gens qui font des vidéos sur le net, je les connais. Alors, on va déjà le mettre en ventile. Donc, ça tourne, on l'entend, ça ventile. Alors, bah tiens, on sommes en ventilo, là, pour l'été, là, pour avoir une petite fraîcheur, une petite ventile. Bah déjà, ça consomme moins qu'un PC. PC qui était en charge, hein. On est bien d'accord. Pas un PC en alimentation, c'est PC qui était en alim et en charge, consommait plus. Voilà. Maintenant, je vais y tirer la position chaude. On va se mettre sur. Alors là, j'ai dû aller trop loin. Overload, j'ai dû aller sur la position 2 directement. Alors je rallume. Voilà. Et je vais essayer de faire que la position. C'est le bouton qui doit être mal calé là. Voilà, là je suis en chauffage. Ouais, là je suis en chauffage, mais le bouton doit être mal calé là. Je vous confirme, ça chauffe. Là ça tire. Donc il les tient bien, hein, sans problème. Alors je pense que 1000 watts, bah, c'est une heure. C'est une heure pour la vider. Parce que ça va aller très vite, hein. Surtout à 40%, ça va aller très très vite. Bon, après, je peux sortir du mode éco. Est-ce que le mode éco, il me tient 2000 watts? Ça m'étonnerait. Voilà. C'est du constant. Si je mets le PC en plus, je ne sais pas s'il ne va pas disjoncter. Je vais mettre le PC en plus, on va essayer. Tac. Non, non, il le tient. C'est l'écran qui c'est vide. Ça tient. Et là, ça chauffe. Bon, alors pas une heure de chauffe, hein. C'est pas fait pour ça. Regardez les caractéristiques, ça tient une télé, ça peut alimenter un frigo pendant 5 ou 6 heures, un truc comme ça. Voilà. On peut faire un café, on peut faire plein de choses. Voilà. Pas d'arnaque. Hein. Je vous le débranche, vous allez voir que la lumière s'éteint en même temps. On redescend à la puissance du PC. Et lui, il arrête de tourner. Tac, on vient de voir qu'il arrête de tourner. Il est plus alimenté. Très très bien. Voilà ce que ça peut donner. Ça bouge pas. Donc je répète, on peut charger en entrée en continu. On peut charger, donc en entrée, pardon, en continu, allume-cigare, panneau solaire, on peut charger en continu. On peut charger, donc, c'est toujours du continu hein, pour la charge, de toute façon, puisqu'il y a un transfo. Je vous ai montré tout à l'heure le gros transfo. On peut sortir en alternatif, on peut sortir en continu. Je ne vais pas utiliser encore les super prises, là. Celle-ci, là. J'ai rien à brancher là-dessus. Pas à ma connaissance, j'ai rien à brancher là-dessus pour l'instant. Je vais pas utiliser celle-ci non plus, qui doit être du chargeur, je sais pas, standard, bon bref. Et j'ai pas testé la MCIGAR où en fait on peut brancher un MCIGAR avec des nouvelles prises USB, etc. Donc en USB, c'est assez chargé. Plus, je vous rappelle, le chargeur à induction sort 15 watts quand même. On pose son téléphone dessus. Pas. Voilà, je reviens avec les tests. Donc là il est chargé à 100%. Je reviens avec les tests du Bluetil. Alors, voilà la consommation d'une alimentation. L'alim et puis le 450 en route. Le FT
450 en route. Bon, ben. Si je l'éteins, voilà, c'est éteint. La consommation de la lime seule. Lime seule. C'est 10 watts. Quand on va allumer le poste. Voilà, pour la conso en veille. Et donc à 100 watts, on va mettre un coup de micro. On va mettre sur une fréquence où il n'y a personne. Alors une fréquence qu'il n'y a personne ici, c'est compliqué. Ouais, par là. Ouais. Regardez. Alors on est bien, on monte bien à 100 watts, même plus. Hein. Et on va regarder la conso ici. Oh là, oh là. Paris, Bordeaux, Le Mans. Oh là. Oh là, oh là. Paris, Bordeaux, Le Mans. Oh là. Oh là, oh là. 1, 2, 1, 2, 3. Oh là. Voilà la conso. On va passer en FM, ça va être mieux. En FM, voilà. Comme ça, la porteuse est fixe. Voilà la pleine puissance en FM. Quand je dis pleine, c'est pleine. Hein. Vous l'avez là. Bah, ça consomme plus qu'un frigo. Hein. Bah, pour les tests, on va se mettre à 50 watts. D'accord, toi, TFM. On valide. Voilà. Normalement, si j'entre dans le menu, c'est validé 50. Ouais, bon, il sort un peu plus là quand même. Bref. À 50 watts. Voilà messieurs, j'espère que les petits tests vous ont plu. En tout cas là, c'est du costaud.